Avez-vous entendu ce que je jouais, Lane? Je n'ai pas jugé convenable d'écouter, monsieur. J'en suis navré pour vous. Donc, je ne joue jamais juste. N'importe qui peut jouer juste. Mais je joue avec une merveilleuse expressivité. En ce qui concerne le piano, le sentiment est mon fort. Je garde la science pour la vie. Certes. Oh, à propos de science de la vie, avez-vous préparé les canapés aux concombres pour Lady Bracknell? Oui, monsieur. Ah. À propos, Lane, j'ai vu sur votre registre que jeudi dernier, lors de mon dîner avec Mr. Worthing et Lord Chamban, pas moins de 8 bouteilles de champagne auraient été consommées. En effet, monsieur, 8 bouteilles et demie. Oh. Comment se fait-il que dans la maison des célibataires, les domestiques boivent immanquablement tout le champagne? Je demande cela à titre informatif. Je l'attribuerai volontiers à la qualité supérieure du vin, monsieur. J'ai bien souvent observé que chez les personnes mariées, le champagne est rarement du meilleur cru. Oh, bonté divine! Le mariage est-il à ce point une chose si démoralisante? Bon, je crois que c'est un état fort plaisant. Je n'ai eu que très peu d'expérience en ce domaine. Je n'ai été marié qu'une seule fois. C'était à la suite d'un malentendu entre une jeune personne et moi. Ouais, je ne crois pas que votre vie de famille puisse m'intéresser, Lane. Non, monsieur. Ce n'est pas un sujet très intéressant. Moi-même, je n'y pense jamais. Comme je vous comprends. On se laillera, Lane. Je vous remercie. Merci, monsieur. Les opinions de Lane sur le mariage me paraissent quelque peu relâchées. Vraiment, si les classes populaires ne nous montrent pas l'exemple, à quoi peuvent-elles bien servir? Elles semblent, en tant que classe, n'avoir aucune conscience de leur responsabilité morale. Mr. Constant Worthing. Oh. Comment vas-tu, mon cher Constant? Qu'est-ce qui t'amène en ville? Oh, le plaisir, le plaisir. Devrait-on suivre un autre guide? Encore en train de manger, à ce que je vois, Algy? Bah, je crois qu'il est coutume, dans la bonne société, de prendre une légère collation à 5 heures. Merci. Où donc étais-tu passé depuis jeudi dernier? À la campagne. Oh, que diable faisais-tu là-bas? Bah, tu vois, quand on est en ville, on s'amuse. Quand on est à la campagne, ce sont les autres qu'il faut amuser, et c'est excessivement ennuyeux. Ah. Et qui sont ces autres que tu amuses? Oh, des voisins. Des voisins? Tu as des voisins adorables dans ton petit patelin pastoral du Shropshire. Oh non, ils sont épouvantables. Je ne parle jamais à aucun d'entre eux. Ah, comme tu dois les amuser. D'ailleurs, c'est bien dans le Shropshire que se trouve ton manoir, n'est-ce pas? Hein? Le Shropshire? Oui, bien sûr. Mais je me demandais, pourquoi toutes ces tasses? Et ces sandwichs au concombre? Pourquoi? Canapé, oui. Oui, ces canapés au concombre. Pourquoi cette abondance débridée, hein? Chez un si jeune homme. Qui vient prendre le thé? Seulement tante Augusta et Gwendolen. Oh, mais voilà qui est tout à fait charmant. Oui, cela est très bien, oui. Mais je crains que tante Augusta n'approuve pas beaucoup ta présence ici. Et pourquoi donc, je te prie? Mon cher, la façon dont tu flirtes avec Gwendolen est tout à fait inconvenante. Presque autant que la façon dont elle flirte avec toi. Mais je suis amoureux de Gwendolen. Je suis venu à Londres spécialement pour la demander en mariage. Je croyais que tu étais venu pour le plaisir. Moi, j'appelle cela venir pour affaire. Tu es un être totalement dénué de romantisme. Je ne vois pas ce qu'il y a de romantique dans une demande en mariage. Ah non. Non. Bah, être amoureux, c'est follement romantique. Mais il n'y a rien de romantique dans ce genre de formalité. Bon, après, bien sûr, on peut toujours vous dire oui. Oui. C'est même généralement ce qui arrive, il me semble. Oui. Et alors, tout le beau de la passion est fini. Non, vraiment, si je me mariais, je crois que je ferais tout pour l'oublier. Mais je n'en doute pas une seule seconde, mon cher Algy. Le tribunal des divorces a été créé spécialement pour des gens à la mémoire aussi curieusement constituée. Il n'est pas nécessaire d'avoir un débat sur de tels sujets. Les véritables divorces se font au ciel. N'est-ce pas? Eh, je te prie de ne pas toucher au canapé au concombre. Ils ont été faits spécialement pour tante Augusta. Bah, enfin, tu passes ton temps à en manger depuis tout à l'heure. C'est sensiblement différent. Il s'agit de ma tombe. Tiens, prends donc des tartines beurrées. Les tartines beurrées sont pour Gwendolen. Gwendolen adore les tartines beurrées. Les tartines beurrées, c'est exquis. Bon, tu n'es pas obligé de faire comme si tu allais tous les manger. Tu te comportes déjà comme si tu étais son mari. Tu ne l'es pas.
Et je doute que tu ne le sois jamais. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? D'abord, les jeunes filles n'épousent jamais les hommes avec qui elles flirtent. Elles pensent que cela n'est pas bien. C'est ridicule! C'est ridicule! Bah, pas du tout! C'est très sensé! Cela explique le nombre invraisemblable de célibataires qu'on voit partout! Mm-hmm. c'est drôle! Et puis, je ne te donne pas mon consentement. Ah, ton consentement? Ah oui! Mon cher, Gwendolen est ma cousine Germaine, et avant que je te permette de l'épouser, il te faudra t'expliquer sur l'affaire Cécile. Cécile, non, que diable veux-tu dire? Je ne connais personne du nom de Cécile, ou du moins, autant que je me souvienne, je n'ai jamais connu personne de ce nom. Apportez les tuyaux à cigarettes que Mr. Walding a laissé dans le fumoir la dernière fois qu'il est venu dîner ici. Oui, monsieur. Ah, tu veux dire que c'est toi qui avais mon étui à cigarettes depuis tout ce temps? Eh, tu sais que tu aurais dû me le dire? J'ai écrit à ce sujet des lettres frénétiques à Scotland Yard. J'étais sur le point d'offrir une forte récompense. Eh bien, j'espère que tu en offriras une. Je suis un peu désargenté en ce moment. Oui, oui. Enfin, maintenant que je l'ai retrouvé, ce n'est plus la peine, n'est-ce pas? Je dois dire, Constant, que cela me paraît mesquin de ta part. Mm-hmm. Mais au final, cela n'a pas d'importance. Puisque maintenant que je lis cette inscription, je constate que cet étui n'est pas à toi. Mais enfin, bien sûr que si. Enfin, il est à moi. D'accord. Tu m'as vu avec des centaines de fois. Mm-hmm. Et de toute façon, tu n'as aucun droit, mais alors aucun droit de lire ce qui est écrit à l'intérieur. C'est indigne d'un gentleman de lire un étui à cigarette privé. Il est absurde d'avoir des idées trop rigides sur ce que l'on doit lire ou ne pas lire. Plus de la moitié de la culture moderne réside justement sur ce qu'on ne devrait pas. Mais je le sais parfaitement, et je n'ai pas la moindre intention de discuter avec toi de la culture moderne, hein? Ce n'est pas le genre de choses dont on doit parler en privé. Je veux simplement mon étui à cigarette. Bien sûr. Mais ce n'est pas ton étui à cigarette. Cet étui est un cadeau fait par une personne nommée Cécile. Et tu as dit que tu ne connaissais personne de ce nom. Eh bien, puisque tu tiens tant à le savoir, eh bien, il se trouve que Cécile est ma tante. Ta tante? Oui. Et qui plus est, c'est une charmante vieille dame. Mais alors, une charmante vieille dame qui vit à Tunbridge-Wells. D'accord? Mmh. Allez, rends-moi ça, Algie. Là, comme ça. Rends-moi ça. Et si elle est ta tante et qu'elle vit à Tunbridge-Wells, pourquoi signe-t-elle la petite Cécile? De la part de la petite Cécile, avec toute son affection. Mais mon cher, hein, mon cher, qu'y a-t-il là de si compliqué à comprendre, hein? Certaines tantes sont grandes, et puis d'autres ne le sont pas. Oui, c'est un sujet sur lequel une tante a le droit de se prononcer elle-même. Tu as l'air de croire que toutes les tantes devraient être comme la tienne, c'est ridicule. Allez, maintenant, pour l'amour de Dieu, rends-moi mon étui à cigarette. Évidemment. Merci beaucoup. Ça y est, rends-moi. Adieu. Tu vas me le donner, hein? Tu vas me le donner! Dis-moi, pourquoi ta tante t'appelle-t-elle son oncle? De la part de la petite Cécile, avec toute son affection, pour son cher oncle Jack. Bon, il n'y a aucune objection, je l'admets, à ce qu'une tante soit petite. Mais comment se fait-il qu'une tante, quelle que soit sa taille, appelle son neveu son oncle? Cela me dépasse. En plus, ton nom n'est pas Jack, mais Constant. Eh bien, ce n'est pas Constant, c'est Jack. Merci. Tu m'as toujours dit que tu t'appelais Constant. Eh bien oui. Je t'ai présenté à tout le monde sous le nom de Constant. Tu réponds au nom de Constant, t'as une tête à taper Constant. Tu es l'homme avec l'art le plus constant que j'ai jamais vu de ma vie. Il est donc absurde de t'entendre dire que ton nom n'est pas Constant. C'est écrit sur toutes tes cartes de visite. Tiens, en voici une. Mr. Constant Worthing, Beckett, l'Albany. Je la garderai comme preuve que ton nom est bien Constant. Au cas où tu l'entraînes de nouveau dans le nier devant moi, ou devant Gwendolen, ou devant n'importe qui d'autre... Je suis Constant à la ville et Jack à la campagne. Cet étui à cigarette m'a été offert à la campagne. Bon, peut-être. Mais cela n'explique pas pourquoi ta chère petite tante Cécile qui vit dans le tome de Jewels t'appelle son oncle.
Allons, mon gros, je finirai bien par t'arracher la vérité. Mon cher Algy, tu parles comme un dentiste, en fait. C'est atrocement vulgaire de parler comme un dentiste. Quand on n'en est pas un, cela crée une fausse impression. Hmm. C'est justement le travail d'un dentiste. Allez, dis-moi tout. Je dois reconnaître que je t'ai toujours soupçonné d'être en secret un fameux Bunburyist. Je n'ai plus aucun doute à ce sujet maintenant. Un Bunburyist? Oui, je t'expliquerai plus tard. Quand tu seras assez aimable pour me dire pourquoi tu es Constant à la ville et Jack à la campagne. D'accord, d'accord, très bien. Dans ce cas, rends-moi les trucs. Ben voilà. Merci. Quoi? Bah, ton explication maintenant. Et tâche de la rendre improbable. Bon, mon cher, il n'y a absolument rien d'improbable à expliquer. En vérité, c'est une situation tout à fait ordinaire. Bon, le vénérable Thomas Cardew, qui m'a adopté lorsque j'étais enfant, bon, dans des circonstances un petit peu particulières tout de même, m'a trouvé très bien. Et il m'a donné le nom Worley, ce cher Mr. Thomas Cardew, et ma chère pupille Cécilie, très bien, oui. Eh bien, elle vit dans mon manoir à la campagne, sous la responsabilité de son admirable gouvernante, Miss Prism. Voilà. Voilà. D'ailleurs, où est-il ce manoir? Bon, et cela ne te regarde pas, mon garçon, je ne compte pas t'y inviter. Cependant, je peux te dire, mais alors, avec certitude, qu'il ne se trouve pas dans le Shropshire. Ah, je m'en doutais. J'ai bunburisé dans tout le Shropshire à deux reprises. Bon, voilà. Bon, continue. Pourquoi es-tu Constant à la ville et Jack à la campagne? Non mais mon cher, je ne pense pas que tu puisses apprécier mes réelles motivations, d'accord? Tu n'es pas assez sérieux. Quand on est désigné tuteur, on doit adopter une attitude très morale et sur tous les sujets. Oui. N'est-ce pas? Bon, il va de son devoir. Et comme une attitude excessivement morale est difficilement compatible avec la santé et le bonheur, eh bien il m'a été nécessaire, pour pouvoir aller à Londres, de prétendre avoir un jeune frère du nom de Constant qui loge à l'Albanie et s'attire toujours les pires ennuis. Hmm? Voilà, mon cher, la vérité pure et simple. Hmm? La vérité est rarement pure et jamais simple. La vie moderne serait terriblement fade si c'était le cas. Et la littérature moderne, tout à fait impossible. Eh bien, tu vois, je pense que ça ne serait pas une grande perte, finalement. La critique littérale n'est pas ton fort. N'essaie pas d'en faire. Tu devrais laisser cela à des gens qui n'ont pas fait d'études. Ils le font très bien dans la presse. Mais toi, t'es un Bunburyist. J'avais parfaitement raison de dire que tu en étais un. Hé, tu es l'un des Bunburyistes les plus raffinés que je connaisse. Bon, très bien. Que diable veux-tu dire à la fin, hein? Toi, oui. Tu as inventé un jeune frère prénommé Constant pour pouvoir venir à Londres aussi souvent que tu le désires. Bon, très bien, oui, et alors? Moi, j'ai un inestimable malade nommé Bunbury pour pouvoir aller à la campagne quand j'en ai envie. Non, ça n'a aucun sens en fait. Absolument aucun sens. Bah, c'est très sensé. Bunbury est infiniment précieux. Mm-hmm. S'il n'y avait pas Bunbury et sa santé maladive, je ne pourrais par exemple pas dîner avec toi ce soir au Savoy, puisqu'il y a plus d'une semaine que je suis invité chez Tante Augusta. Attends, une petite seconde là. Je ne t'ai jamais invité à dîner avec moi ce soir. Mais je sais, tu es déraisonnablement négligent quand il s'agit d'invitation. C'est stupide de ta part. Il n'y a rien de plus négligent que de ne pas recevoir d'invitation. Mais de toute façon, je ne peux pas dîner au Savoie. Je leur dois au moins 700 livres. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des mises en demeure et de lancer toutes sortes de procédures. Ils me gâchent la vie. Bah pourquoi ne les paies-tu pas? T'es riche. Bah oui, mais... Constant, lui, il ne l'est pas. Voilà. Je dois prendre garde à sa réputation. Constant est un de ces vauriens qui ne paient jamais leurs factures. Eh ben dans ce cas, allons dîner chez Willis. C'est beaucoup plus cher. Non, tu ferais mieux d'aller dîner chez ta tante Augusta, je crois. Je n'ai pas la moindre intention de faire une chose de ce genre. Bon. D'abord, j'ai déjà dîné chez elle lundi dernier. Un repas de famille par semaine, c'est amplement suffisant. Ensuite, chaque fois que je vais là-bas, je suis traité comme un simple parent. Je me retrouve soit sans cavalière, soit avec deux en même temps. Puis enfin, je sais parfaitement à côté de qui elle a choisi de me placer ce soir. Qui donc? Gertrude Schilter. Gertrude Schilter, qui flirte sans cesse avec son mari assis en face d'elle. C'est franchement désagréable. En plus, ce n'est même pas décent. Et ce genre de comportement connaît une forte progression. Le nombre de femmes à Londres qui flirtent avec leur mari est tout à fait scandaleux. Cela fait mauvais genre. C'est comme si on lavait son linge propre en public.
Et puis maintenant que je sais que tu es un Bunburyiste confirmé, je dois naturellement te parler du Bunburyisme. Je veux t'en apprendre les règles. Non. Je ne suis absolument pas un Bunburyiste. Si Gwendolyn veut bien de moi, eh bien je tuerai mon frère. Oui, je le tuerai. De toute façon, j'avais l'intention de le tuer dans tous les cas. Cécilie s'intéresse un petit peu trop à lui, et puis... Elle n'arrête pas de me demander de le pardonner et d'autres bêtises de ce genre. Enfin, c'est un ennui, mon cher, c'est un ennui. Bah oui, donc je vais me débarrasser de Constant, et je te conseille de faire de même avec ton monsieur Bambari, là. Oui, enfin, Bibari, Bombari. Oui, enfin, ton malade perpétuel, ce nom pas possible. Rien ne me poussera à me séparer de Bunbury. Et si tu te maries, ce qui me paraît extrêmement problématique, tu seras bien content de le trouver. Un homme qui se marie sans connaître Bunbury ne profite jamais de rien. Eh bien, tout ceci est ridicule. Si j'épouse Gwendolyn, et c'est la seule avec qui j'ai jamais eu envie de me marier, je n'aurai aucune envie, mais alors aucune envie, d'entendre jamais parler de Bunbury. Bah dans ce cas, c'est ta femme qui en aura envie. Mais tu n'as pas l'air de comprendre. Dans le mariage, à trois, on trompe l'ennui. À deux, c'est l'ennui qui nous trompe. Alors, ceci, mon cher, mais c'est une théorie que le théâtre pervers des Français n'a cessé de mettre en scène ces 50 dernières années. Oui, et le bonheur conjugal des Anglais nous en a donné la preuve et en moitié moins de temps. Non, pour l'amour du ciel, Adji, je t'en supplie, cesse de faire semblant d'être cynique. Il est beaucoup trop facile de faire semblant d'être cynique. Oh, mon cher, il n'est plus facile d'être quoi que ce soit de nous. Il y a dans tous les domaines une concurrence si sauvage. Ah. Ce doit être tante Augusta. Il n'y a vraiment que la famille ou les créanciers pour sonner d'une manière aussi wagnérienne. Bien. Si je la tiens à l'écart pendant 10 minutes pour que tu puisses demander Gwendolyn en mariage, pourrais-je dîner chez Willis en ta compagnie? Oui, je suppose que oui, puisque tu y tiens tant. Parfait. Mais tu dois prendre cela au sérieux. Bah, naturellement. Je déteste les gens qui prennent leur repas à la légère, c'est extrêmement frivole de leur part. Lady Bracknell et Miss Fairfax. Bonsoir, mon cher Algernon. J'espère que tu te tiens bien. Je vais très bien, tante Augusta, je vais très bien. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En réalité, ces deux choses vont même rarement ensemble. Mon Dieu, Gwendolyn, tu es ravissante. Oh, mais je suis toujours ravissante. N'est-ce pas, Mr. Ruffin? Mais vous êtes parfaite, Miss Fairfax. Oh, non. J'espère bien que je ne le suis pas. Cela ne laisserait aucune place à l'amélioration et... j'ai l'intention de m'améliorer dans de nombreux domaines. Je suis navrée d'être un peu en retard, Algernon, mais j'ai dû rendre visite à cette chère Lady Harbury. Je n'y étais plus allée depuis la mort de son pauvre mari. Je n'ai jamais vu une femme aussi affectée. Elle a l'air d'avoir 20 ans de moins. Je prendrais bien une tasse de thé et quelques-uns de ces délicieux canapés au concombre que tu m'as promis. Oui, bien sûr, tante Augusta. Ne veux-tu pas t'asseoir près de moi, Gwendolyn? C'est gentil, maman, mais je suis très bien ici. Lay, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de canapé au concombre? Je les avais commandés spécialement ce matin. Il n'y avait plus de concombre au marché ce matin, monsieur. J'y suis allé deux fois. Plus de concombre? Non, monsieur. Pas même contre argent comptant. Oh! Bon, cela ira, Hélène, je vous remercie. Merci, monsieur. Oh! Je suis vraiment navré, tante Augusta, qu'il n'y ait pas de concombre. Pas même contre argent comptant. Cela n'a guère d'importance. J'ai mangé quelques muffins avec Lady Harbury. Elle semble se consacrer exclusivement au plaisir à présent. Oui, j'ai entendu dire que ses cheveux étaient devenus tout blonds. De chagrin. Oh, ils ont indubitablement changé de couleur. Mais je ne saurais déterminer l'origine de ce phénomène. Je t'ai réservé une surprise ce soir, Algernon. Je compte te placer à côté de Gertrude Chilton. C'est une femme charmante et... tellement attentionnée pour son mari. Les regarder est un plaisir. Oui.
Et je crains de devoir renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir, finalement, tante Augusta. J'espère bien que non, Algernon, cela mettrait ma table sous-dessus dessous. Ah, c'est un véritable fardeau, et je dois bien l'avouer, une terrible déception pour moi. Mais je viens de recevoir un télégramme de ce pauvre Bunbury. Il est de nouveau très malade. Il semble penser que je ferais mieux de rester auprès de lui. Tout cela est étrange. Ce monsieur Bunbury me semble affligé d'une bien mauvaise santé. Oh, ce pauvre Bunbury est toujours épouvantablement mal en point. Eh bien, je dois dire, Algernon, qu'il est grand temps que monsieur Bunbury se décide à choisir entre la vie et la mort. Toutes ces tergiversations sont ridicules. D'ailleurs, je n'approuve pas cette compassion moderne envers les malades. Je la trouve particulièrement morbide. La maladie n'est pas une attitude à encourager chez les autres. La santé est le premier devoir de la vie. Aussi, je te serais fort obligé, Algernon, si tu demandais de ma part à monsieur Bunbury d'éviter toute rechute samedi prochain. Je compte sur toi pour organiser mon programme musical. Mmh. Ah, j'en parlerai à Bunbury, tante Augusta. Bon, s'il est toujours conscient. Hein. Et néanmoins, je pense pouvoir vous promettre d'être là samedi prochain. Bon, bien entendu, la musique pose de grandes difficultés. Voyez-vous, si on joue de la bonne musique, personne n'écoute, et si on joue de la mauvaise musique, personne ne parle. C'est drôle. Et je pense pouvoir vous promettre d'être là samedi prochain et vous montrer le programme que j'ai élaboré. Si vous voulez bien me suivre. Merci, Algernon. Voilà qui est très prévenant de ta part. Gwendolyn, viens avec moi. Tout de suite, maman. Oui. Vous ne trouvez pas que nous avons très très, très beau temps, Miss Fairfax? C'est ce beau soleil. Non? Je vous en prie, Mr. Rothing. Ne me parlez pas du temps. Chaque fois qu'on me parle du temps, j'ai l'impression qu'on veut me dire autre chose. Et cela m'angoisse. Je veux en effet vous dire autre chose. C'est bien ce que je pensais. En fait, je ne me trompe jamais. Miss Fairfax, le jour où je vous ai rencontré, je vous admirais déjà plus que toute autre femme que je n'ai jamais connue jusqu'à ce que je vous connaisse. Oui, je le sais bien. Et je regrette que vous n'ayez jamais été plus démonstratif. En public, surtout. Vous avez toujours exercé sur moi une irrésistible fascination. Avant même de vous rencontrer, vous étiez déjà loin de me laisser indifférente. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Je crois que vous savez, Mr. Worthing, que nous vivons une époque d'idéaux. Oui. C'est un fait, ça s'est relayé dans les magazines les plus huppés. Même la province, paraît-il, commence à se rendre compte. Et moi, j'ai toujours eu pour idéal d'aimer quelqu'un du nom de Constant. Oh, il y a dans ce nom quelque chose qui inspire une confiance absolue. Mais... Oh, dès qu'Algernon m'a parlé de son ami du nom de Constant, j'ai su que mon destin était de vous aimer. Mais c'est-à-dire, Gwendolyn, vous m'aimez, c'est-à-dire, vous m'aimez vraiment, Gwendolyn. Passionnément. Oh, ma chérie. Oh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous me rendez heureux. Tout de même, j'ai une petite réflexion qui me vient à l'instant. Je me demandais si je ne m'appelais pas Constant, si ce n'était pas mon vrai nom, vous ne pourriez pas m'aimer? Mais votre nom est Constant? Oui, bien sûr. Cependant, si je portais un autre nom... Si je portais un autre nom, si...
Voilà de toute évidence en pleine spéculation métaphysique. Mmh. Mais comme bien des spéculations métaphysiques, elle n'a pas le moindre rapport avec la vraie vie, la nôtre. Oui, bien sûr, Gwendolyn, mais je dois vous dire que le nom de Constant m'importe peu, et je pense même qu'il me va très très mal. Il vous va parfaitement bien. C'est un nom divin. Il a une musicalité si exceptionnelle. Il crée des vibrations. Alors, je pense vraiment, Gwendolyn, qu'il existe beaucoup d'autres noms, beaucoup plus jolis. Hein. Jack, par exemple. C'est un... Jack. Oui, c'est un nom charmant, n'est-ce pas? Oh, Jack. Jack. Jack, c'est... Jack. Non. Il n'y a presque pas de musicalité dans ce nom. Si tant est qu'il en ait la moindre, il ne fait pas frissonner, il ne crée aucune vibration. Oui, bien sûr. J'ai connu plusieurs Jack. Ils étaient tous affligeants de banalité. De plus, tout le monde sait que Jack est la forme familière de John. Je plains les femmes qui épousent des John. Elles ont sans doute une vie conjugale très fade. Non. Le seul nom rassurant. Gwendolyn, il faut absolument organiser un baptême. Un mariage, tout de suite. Un mariage Mr. Rothley. Oui, le nôtre. Vous... Gwendolyn, vous savez que je vous aime. Et j'ai eu l'impression, enfin, vous m'avez donné l'impression que je ne vous étais pas tout à fait indifférent. Mais je vous adore. Oh, ma chérie. Mais vous ne m'avez encore fait aucune demande. Nous n'avons rien dit de ce mariage. Le sujet n'a même pas été effleuré. Puis-je vous faire ma demande, maintenant? Je pense que le moment sera admirablement choisi. Et afin de vous épargner toute déception, je crois juste de vous dire maintenant, et en toute franchise, que je suis tout à fait décidée à vous dire oui. Oh, ma douce Gwendolyn. Oui, Constant. Ah, quel bonheur. Mais vous vouliez vous dire quelque chose? Vous savez parfaitement ce que je veux vous dire. Vous ne le dites pas! Gwendolyn, voulez-vous m'épouser? Oh, mais bien sûr que je le veux, mon chéri! Mais tu étais si loin de me le demander! Oh. J'ai bien peur que tu n'aies pas beaucoup d'expérience en matière de demande en mariage. Mais c'est-à-dire que, ma chérie, je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi? Sans doute. Mais les hommes font souvent des demandes pour s'entraider. C'est ce que faisait mon frère Gérald. Toutes mes amies peuvent en témoigner. Oh, tes yeux, Constant. Son âme bleue si merveilleux. Et son âme bleue tellement... bleue. Oh, j'espère que tu me regarderas toujours ainsi. Surtout quand il y aura du monde. Mr. Worthing! Veuillez vous lever, monsieur! Cette posture de semi-gisant est absolument scandaleuse! Maman, je dois vous prier de vous retirer! Vous n'avez rien à faire ici! D'ailleurs, Mr. Worthing n'avait pas tout à fait fini. Et que doit-il finir, je te prie? Je suis fiancée à Mr. Worthing, maman. Je suis navrée de te l'apprendre, mais tu n'es fiancée à personne. Le jour où tu te fianceras, ce sera moi, ou ton père, si sa santé le lui permet, qui t'en informeront. Les fiançailles pour une jeune fille doivent constituer une surprise, bonne ou mauvaise du reste. À présent, Mr. Worthing, j'ai quelques questions à vous poser. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, Lady Bracknell. Si tu en connais la réponse à l'avance, les questions de maman sont parfois terriblement inquisitoriales. Oh, je compte bien les rendre fort inquisitoriales. Gwendolyn, pendant que j'interroge Mr. Worthing, tu vas m'attendre dans le fiacre. Non! Dans le fiacre, Gwendolyn.
Madeleine, le fiacre. Donc un siège, Mr. Worthing. Je vous remercie, Lady Bracknell, mais je préfère rester debout. Mr. Constant Worthing. Il me semble nécessaire de vous préciser que vous ne figurez pas sur ma liste de parties possibles. Bien que j'ai la même liste que cette chère duchesse de Bolton, nous travaillons conjointement, en réalité. C'est bien, ça les échange, oui, c'est bien. Toutefois, je suis disposée à y ajouter votre nom si vos réponses s'avèrent satisfaisantes. Fumez-vous ? Oui, je dois reconnaître que je fume. Je suis ravie de l'apprendre. Un homme doit avoir une occupation dans la vie. Il y a bien trop de gens oisifs à Londres. Quel âge avez-vous ? 29 ans. C'est un âge parfait pour se marier. J'ai toujours pensé qu'un homme qui souhaite se marier devrait tout savoir ou ne rien savoir du tout. Que savez-vous ? Je ne sais rien. Je ne sais rien, Lady Bracknell. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Je désapprouve l'idée de corrompre l'ignorance naturelle. L'ignorance est comme un délicat fruit exotique. Si on y touche, son bel épanouissement se flétrit. Je tiens pour fumeuse toutes ces théories d'éducation moderne. Fort heureusement, en Angleterre, du moins, l'éducation quelle qu'elle soit ne produit jamais aucun effet. Quels sont vos revenus ? Entre 7 et 8 000 livres par an. Où demeurez-vous ? Eh bien, je possède une maison de campagne. J'espère que vous avez une maison en ville. Il est inimaginable qu'une jeune fille d'une nature simple et authentique comme Gwendoline vive à la campagne. Eh bien, je possède une maison dans Belgrave Square, mais elle est louée à l'année à Lady Bloxham. Lady Bloxham ? Je n'en ai jamais entendu parler. Ça, c'est parce qu'elle sort très peu. C'est une dame d'un âge avancé. De nos jours, cela n'est plus une garantie de respectabilité. À quel numéro se trouve votre maison ? Au 149. C'est le côté démodé. Je me doutais qu'il y aurait quelque chose. Enfin, nous pouvons facilement changer cela. Vous voulez parler de la mode ou du côté ? Les deux, si nécessaire, je présume. Vos parents sont-ils vivants ? J'ai perdu mes deux parents. Mr. Worthing, perdre un de ses parents peut être considéré comme de la malchance, mais perdre les deux s'apparente fort à de la négligence. Qui était votre père ? De toute évidence, c'était un homme fortuné. J'ai bien peur de ne pas vraiment le savoir. En vérité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes parents. Il serait plus juste de dire que ce sont eux qui m'ont perdu. Je n'ai aucune idée de qui m'a mis au monde. J'ai été trouvé. Trouvé ? Feu Mr. Thomas Cardew, un gentleman bienveillant et charitable, m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing, parce qu'il avait dans sa poche un billet de première classe pour Worthing. Worthing est situé dans le Sussex, c'est une station balnéaire. Et où ce gentleman charitable qui avait un billet de première classe pour une station balnéaire vous a-t-il trouvé ? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage ? Oui, Lady Bracknell, j'étais dans un sac de voyage. Bon, une sorte de grand sac en cuir marron avec une poignée. En fait, un sac très ordinaire en réalité. Et à quel endroit ce Mr. James Thomas Cardew a-t-il trouvé ce sac ordinaire ? Il l'a trouvé dans la consigne de la gare Victoria. La consigne de la gare Victoria ? Oui, sur la ligne de Brighton. La ligne n'est pas une ligne ! Mr. Worthing, je vous avoue que ce que vous me dites me déconcerte au plus haut point. Être né
ou tout du moins élevé dans un sac de voyage, qu'il ait des poignets ou non, me paraît manifester un mépris démesuré pour les convenances familiales qui me rappellent les pires excès de la Révolution française. Eh bien, puis-je vous demander ce que vous me conseillez de faire ? Il est évident que je ferai tout pour assurer le bonheur de Gwendolyn. Je vous conseille fortement, Mr. Worthing, de vous trouver une famille le plus rapidement possible et de faire de sérieux efforts pour être en mesure de présenter l'un de vos deux parents, peu importe lequel, d'ici la fin de la saison. Eh bien, écoutez, Lady Bracknell, je ne vois vraiment pas comment faire. Je peux vous présenter le sac, si vous voulez. Il est chez moi, dans ma penderie. Enfin, je pense que cela devrait vous satisfaire. Me satisfaire, monsieur ? Est-il question de moi ? Pouvez-vous imaginer que Lord Bracknell et moi-même songerions à autoriser notre unique fille